Eh ben ça y est les amis, nous avons atteint les 400 abonnés sur la chaîne. Merci infiniment. Et déjà tout nouveau micro, hein, mais bon ça c'est déjà le cas depuis 2-3 vidéos hein, déjà. Mais pour fêter ça, eh ben je vais pas forcément faire une vidéo extrêmement émotive comme il y a eu pour les 200 abonnés, mais vous pouvez très bien mettre la vidéo des 200 abonnés. Ça marche encore et ce pour tous les paliers de toute manière. Mais déjà, j'ai pas fait de vidéo pour les 300. Je suis vraiment dégoûté, on va pas se mentir, les 300, ce qui m'a permis d'y arriver, c'est surtout le tuto du Red Dorix. Après, je vous le dis, pour beaucoup de raisons, je vais pas les expliquer parce que je vais mettre 10 minutes à expliquer, mais pour beaucoup de raisons, ça m'étonnerait que je puisse refaire un tuto de Red. Vraiment, j'adorerais, vraiment j'adorerais, mais ça m'étonnerait très franchement que j'arrive de nouveau à faire tuto de Red. Si j'y arrive en day one, day two, franchement, je serais heureux. Je vous le dis très franchement, je serais extrêmement heureux, mais ça m'étonnerait, mais vraiment, ça m'étonnerait que j'y arrive. Vraiment, ça m'étonnerait un truc de fou. Il y aura toujours, de toute façon, les tutos de quêtes exotiques, de donjons et tout. Malheureusement, il n'y aura pas, hein, il n'y aura pas du tout pour les raids, à part si un miracle se produit, hein, voilà, à part si un miracle se produit. J'espère de tout mon cœur. Mais voilà, déjà il y a ça, après aussi, donc le passage des 300 à 400, c'est le passage où j'ai vraiment fait quelques erreurs. Pas forcément une tonne, mais que j'ai appris beaucoup de choses de mes erreurs. Par exemple, il y avait eu donc le coup du donjon Flèche de la Vigie. Donc déjà, avant, il y a eu l'algorithme de YouTube qui m'a complètement niqué sur le let's play de God of War. Mais j'ai décidé de faire le tuto du donjon en essayant de faire un tuto complet. Donc voilà, c'est une seule et même vidéo pour tout expliquer. Je l'ai vu par le biais de moi-même, ça me plaisait pas autant. Voilà, ça me plaisait pas autant. Et deuxio que en termes de vue, eh bien j'ai bien vu la différence entre le tuto bien décortiqué du donjon de Jolité au tuto complet du donjon Flèche de la Vigie. Voilà, donc dans les deux cas, on n'était pas super fiers. Voilà. Bon, ça a aidé des personnes, c'est bien, mais on n'était pas super fiers du résultat en tuto complet, et surtout qu'en plus de ça, j'ai pas vraiment eu cette chance d'avoir eu, comme beaucoup, des personnes qui m'ont accompagné dès le début. J'étais pendant 4 heures, au moins 4 bonnes heures, tout seul à faire le donjon. Et je suis arrivé à... Ouais, au moins arrivé à mid-life, je crois, du premier boss du donjon, et vraiment j'étais tout seul. Mais moi, quand je vous dis tout seul, c'est vraiment tout seul. Et après, mes collègues ont pu venir, et là on l'a fini quand même en moins d'une heure, je crois. Je crois que c'était en moins d'une heure. Et au final, voilà, au lieu que le tuto soit y arrivé peut-être vers 21h30, 22h, bah, il est arrivé à 2h30 du matin, ce qui fait tard. Je vous jure, j'étais crevé, j'étais claqué, j'étais mort. Et au final, j'ai appris de mon erreur. Après, pour réparer cette erreur, bah, il y a eu la quête exotique. Je m'attendais pas à ce qu'elle arrive, hein, je vous le jure. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive. Il y a eu la quête exotique de la révision 0. Et je voulais faire un peu le même délire que Vox Obscura, sauf que j'ai vu que la mission était très très longue. Et en plus de ça, c'était assez... enfin, on pouvait... Oula, on pouvait s'y perdre. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire différemment. Et au final, ça a donné ce que ça donne encore à l'heure actuelle. Et voilà, il y avait juste un truc que j'avais oublié, c'était une petite précision écrite dans la vidéo, et au final je l'ai mis dans l'espace commentaire parce qu'on allait me dire, pour ceux qui font la première fois la mission, ils me diront dans les commentaires, ouais mais le truc qu'il y a, c'est que t'as oublié que il faut mettre ça ici. Et en fait, bah, les solutions, je les donne dans l'espace commentaire parce que je me serais douté que de toute manière on n'aurait peut-être pas eu le réflexe de regarder dans la description, mais par contre par réflexe on aurait regardé dans les commentaires. Donc voilà, j'ai essayé d'adapter un peu mes erreurs que j'ai pu faire en les réparant avec autre chose, en adaptant ma vidéo selon la mission, comment est-ce qu'elle est et tout. Et après, par contre, avec le catalyseur, par contre, j'ai refait un peu de la même manière que Vox Obscura. Et j'ai bien galéré quand même à le faire parce que j'ai beaucoup bugué dans ma tête. vraiment, j'ai beaucoup bugué. Et au final, bah... Voilà, j'ai appris des erreurs, de mes erreurs, j'ai appris à être meilleur, enfin meilleur. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire par là, hein, c'est pas meilleur, waouh, j'ai tout éraflé. Mais voilà, j'ai appris à être meilleur, être la meilleure version de moi-même, on va dire ça.
Et au final, voilà, j'ai bien galéré quand même, hein, pour passer les 300 à 300 à 400. Après, je pense que j'ai à peu près mis le même temps, je pense, que des 200 à 300 de toute manière. Donc voilà, ça va, j'ai pas vraiment à m'en plaindre, mais par rapport à l'expérience personnelle que j'ai eue, j'ai quand même bien galéré. Voilà, j'ai vraiment, je le dis, j'ai vraiment quand même bien galéré. Et bah au final, voilà, je suis super content du résultat. Je suis super fier aussi, voilà, on va dire ça. Et je ne pourrai jamais m'arrêter de vous dire que je vous en remercie de vous être abonné. J'ai des abonnés en or, j'ai des amis en or, donc dans les Gogol et Atomique. Et voilà, je vis une belle aventure. Voilà, je dis bien hein, que YouTube mène Twitch, mais YouTube, vu que c'est celui où j'ai été le plus longtemps, ça va faire 10 ans maintenant. Rendez-vous compte. Là, dans quelques jours, là, au moment où la vidéo est publiée, donc le 29 décembre, dans vraiment 3 à 5 jours, ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube. Et j'ai vécu quand même une sacrée aventure. Voilà, j'ai vécu une sacrée aventure. Et je me plains parfois beaucoup, parfois de ma qualité vidéo qui est à 720, donc forcément pour vous ça fait un petit peu dégueulasse, mais regardez mes premières vidéos, vous allez vous dire en fait c'est pas si dégueulasse comme ça, que ça, même pour la qualité audio, vous allez vous dire ça, en fait non c'est pas si dégueulasse comme ça, que ça, et c'est mieux comme ça en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. On peut faire mieux, mais déjà c'est mieux comme ça. Et voilà, enfin bref, je vis une belle aventure que je ne compte pas m'arrêter le jour où ça s'arrêtera. Je pense que j'en serai le premier et le dernier à être triste, et que de toute manière je ferai une vidéo, parce que je me doute qu'un jour j'arrêterai YouTube ou pas. Voilà, on va bien voir, de toute façon on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve de toute manière. Et voilà, on verra bien comment est-ce que les choses vont se goupiller. Et voilà, enfin bref. Je ne saurais pas trop quoi dire de plus, parce que voilà, c'est pas une vidéo aussi émotive que pour la vidéo des 200 abonnés, c'est clair. Mais voilà, je tenais quand même à vous remercier du fond du cœur de tous vous être abonnés, et pour certains de me soutenir aussi sur YouTube, même parfois sur Twitch aussi. D'ailleurs, le lien de la chaîne Twitch est en description. Il y a un TikTok également, que malheureusement le lien marche pas, donc je le laisse sur la bannière de la chaîne YouTube, comme ça au moins c'est plus facile pour y aller. Et voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus, à part que je vous remercie infiniment de vous être abonné à la chaîne, de pour certains me suivre quotidiennement. Voilà, je suis pas un expert pour faire des discours, je suis pas tellement un expert pour ouvrir pleinement mon cœur, et je pense que ça se voit. Mais en tout cas, voilà, je vous en remercie une toute dernière fois, vraiment, je vous en remercie tous. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que maintenant, on a le goal des 500, après ça sera 600 et tout. Mais maintenant, on a un ultimate goal. Cet ultimate goal va être très dur. Je le sais. Va être très très dur à atteindre. Mais je dis pas qu'il faut prendre ses rêves pour la réalité. Je suis pas en train de rêver, je suis ambitieux, ce qui n'est pas pareil. Mais en ayant de l'ambition, et ben je me dis en ultimate goal, et ben on va aller chercher les 1000 abonnés. Je donne pas de temps, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Maintenant on a un ultimate goal, bon on a toujours le goal, voilà, pas 100 par 100, mais on a un ultimate goal, les 1000 abonnés. Voilà. Donc, merci à tous de vous être abonnés. N'hésitez pas, à ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. J'avais les travers, c'est dégueulasse. N'hésitez pas à laisser aussi le petit pouce bleu. Voilà, si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve. Hein, maintenant je bug, c'est génial. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.